On a un temps qui, aux surprises, est variable à dégager. Une température extérieure qui est assez douce à 12-13 degrés. La température de l'eau est à 12 degrés. La marée est en train d'être plein haute. Le plein haut est à 11h30 avec des petits coefficients de 39. Sur ce plein haut, on a le vent qui s'est renforcé avec un secteur sud-sud-ouest, sud-sud-ouest à 3 beaufort établis. Donc un plan d'eau qui se dégrade, qui est clapoteux au bord, qui est clapoteux à peine moutonneux au large. Les phases de vagues restent quand même assez lisses. Et on a cette houle qui est longue avec 10 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest, une houle qui est multiplique et sectionnée en nette hausse par rapport à ce matin. Il y a un 80 cm assez régulier hein, sur la plupart des séries maintenant. Un bon 80 cm, entre les séries il y a 50, il y a 70. Bon, des vagues en pic, très aléatoires, mais la marée est haute, donc il y a quand même quelques bouts qui arrivent à passer, vous voyez, ça ouvre un peu. Mais les zones de déferlement sont aléatoires et la houle est agitée. Il y a quand même quelques personnes à l'eau, la barre est facile à franchir. C'est praticable, il y a de belles couleurs, il faut en profiter. L'évolution pour le reste de la journée, la hausse de la houle va être nette et rapide, puisque la bouée Arcachon est en nette hausse, tout d'un coup à 3,50 m et 7 secondes. Donc à 13h, 80 cm, mais on sera pas loin d'un mètre. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période, vent de sud-sud-ouest à 3 beaufort, et à 17h, 1,30 m, 1,50 m. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 9 secondes de période, vent de sud-ouest à 6 beaufort. Normalement, c'est claqué pour le reste de la journée. Prochain point, demain matin. À 7h30. Bonne journée, merci. Monsieur ?